Vous vous êtes déjà demandé comment les femmes faisaient pour se frayer un chemin dans un monde réservé aux hommes? Eh bien, installez-vous, je vais vous parler de la pionnière des femmes architectes américaines. Allô! Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'intéresser à Ida Anna Ryan et son travail vernaculaire en Floride avec Isabelle Roberts. Alors oui, je sais, il y a déjà un mot compliqué, vernaculaire. C'est un adjectif qui désigne ce qui est propre à un lieu et à ses habitants. En architecture, ce sont donc toutes ces maisons ordinaires construites selon un certain style, dans un certain lieu, pour certaines personnes. Au début du XXe siècle, les maisons en Floride, elles sont principalement d'un style victorien. C'est-à-dire que c'est un mélange entre du néo-gothique, du renouveau grec, du second empire, du renouveau romain, du renouveau colonial et bien d'autres. Car un nouveau style architectural ne tombe pas de nulle part comme ça, provient de beaucoup de sources d'inspiration et reste toujours en constante évolution. À cette époque, l'architecture s'était principalement étudiée pour les hommes et le système éducatif pour apprendre l'architecture et tout ce qui est attrait au bâtiment n'était pas du tout pensé pour les femmes. Bien sûr, il y a eu quelques rares exceptions et elles s'en sont très bien sorties parce que tout n'a pas changé radicalement du jour au lendemain parce qu'une femme est entrée dans une école. Mais Ida Anna Ryan serait la première femme architecte à recevoir un master en architecture aux États-Unis. Et vous savez comme moi que bien souvent, et même parfois un peu à tort, ce sont les États-Unis qui donnent les tendances. Déjà, elle est née en 1879 à Waltham, dans le Massachusetts. Elle n'avait rien à voir avec l'architecture au début. Son père, il avait plusieurs occupations. Il était employé de la ville, historien un peu amateur, et il avait aussi une ferme pour produire du lait. Sa mère, elle, était sûrement femme au foyer, comme la plupart des femmes à cette époque, pour s'occuper de sa maison et de ses 5 enfants. Ida, elle est allée au collège local, mais elle était déjà très intéressée par l'architecture et c'est pour ça qu'elle est entrée dans le Massachusetts Normal Art School. Et d'ailleurs, elle a été encouragée par son père. Elle travaille aussi comme dessinatrice de bâtiments de la ville en 1895. Et elle y gagne ses premiers salaires. Et oui, elle n'avait que 16 ans. Elle prend aussi des cours d'architecture, de dessin et de mathématiques au MIT à partir de 1898. En tant que troisième année, elle a pu participer à des concours et présenter son travail, notamment un sur un marché public qui lui a valu de gagner la deuxième place. Et elle était déjà mieux classée que certains étudiants qui étaient plus expérimentés qu'elle. Donc après 3 ans d'études et un diplôme en dessin, elle pouvait non seulement dessiner des machines et de la géométrie descriptive, mais aussi de l'architecture. Elle a participé au premier programme d'architecture collégiale du MIT. Là, un de ses professeurs, c'était Constant Désiré Despradel, qui est un architecte assez connu français, à ce qui paraît, qui a introduit l'école des beaux-arts en Amérique du Nord grâce à ses enseignements. Pendant son séjour au MIT, Ida, elle est exemplaire. Elle travaille vraiment très bien, elle a d'excellents résultats, elle fait du très bon travail. Elle participe aussi au Clio Fan Club, qui est en fait une association pour les femmes de l'Institut. Et là-bas, elle y rencontre Mathilda F. Fraser et Harriet F. Block, dont on parlera aussi un peu plus tard. En 1906, Ida est donc la première femme américaine à recevoir un master en architecture. Et une bourse de voyage qui est vraiment le plus haut prix qui puisse être décerné par le département d'architecture. Donc du coup, elle dépensait 1 200 $ pour partir un an en Europe et notamment en Espagne et en Italie. On sait qu'elle a passé pas mal de temps à Naples, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle y a fait, qu'est-ce qu'elle a rencontré, qu'est-ce qu'elle a étudié, etc. Ce genre de voyage initiatique, c'est assez commun pour les architectes, notamment à la fin des études ou pendant les études, pour vraiment observer l'architecture italienne, donc qui est un peu la base, on va dire, mais à travers un œil plus professionnel. Oui. Par contre, comme elle travaillait au service des bâtiments de la ville, elle a dû vraiment se battre pour sa place, pour son travail et pour son salaire. Parce que c'était une femme, donc forcément, son travail était
sous-évaluée, même si elle était plus que compétente pour les tâches qu'on lui confiait, elle était quand même très peu prise au sérieux par rapport aux hommes en fait qui travaillaient dans ce département. Elle était aussi très touchée par la politique de la ville parce que sa famille vit à Walsham depuis des générations. Sa mère et sa grand-mère aussi étaient suffragettes et son père était donc historien amateur de la ville et il était aussi un membre fondateur du conseil d'administration. Du coup, Aïda, elle faisait un peu ce qu'elle pouvait pour redonner de la place aux femmes. Donc elle, déjà, elle signait en bas des plans en disant « Hey, regardez, j'ai participé au dessin ». Parce que sinon, c'était beaucoup plus son supérieur architecte qui était mis en avant, en fait. L'Institut américain des architectes était extrêmement misogyne à cette époque. Ils ont refusé la candidature de Aïda dès sa sortie de l'école. Et c'était d'ailleurs pas la seule, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont été refusées, principalement parce qu'elles étaient des femmes. On va le voir aussi par la suite. Aïda, elle fonde sa première agence à Walsham, là où elle est née, en 1909. Et c'est une agence féminine. Elle travaille notamment avec Florence Luscombe, qui est une femme diplômée aussi du MIT. Donc elle travaille notamment sur des maisons assez modestes ou alors destinées à des propriétaires beaucoup plus riches. En 1914, Aïda, elle a construit une maison pour son neveu et déjà là, son style a commencé vraiment à s'intensifier. C'est une petite résidence à Walsham, en stuc lisse, avec donc sur un seul étage. On a toujours un pignon à l'extrémité de la rue, un porche couvert à l'entrée et aussi un toit voûté. On voit aussi que les fenêtres elles sont un peu placées par deux ou par trois en fonction de la lumière qui est apportée dans chaque pièce. Mais elle a pas seulement construit des résidences à Walsham, avec Harriet F. Locke, qu'elle a rencontré du coup au MIT, elle a construit un hôpital, Memorial Hospital, dans le New Hampshire. Donc c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. C'est un grand bâtiment de trois étages, très symétrique, très badass quoi. Et beaucoup considèrent aussi que ce projet c'était un peu un avant-goût d'un immeuble d'appartement qu'elle va construire plus tard à Orlando en 1922. Genre ça prend du temps quand même. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a travaillé dans le département de la guerre américain. Et comme elle travaille encore à Walsham, Ryan, elle a quand même construit de nouvelles choses, notamment un dépôt pour les trains et par exemple une chapelle. Et après la guerre, l'Institut des architectes américains l'a de nouveau refusé. Et c'est pourquoi elle s'est dit, vas-y, je prends mes clics, mes claques, mes claquettes, je m'en vais faire ce que je veux. Elle est partie en Floride, à Orlando. Et une fois arrivée dans cette ville-là, elle est devenue la première femme architecte de la ville. C'est là qu'elle rencontre Isabelle Roberts et avec qui elle va monter son studio, enfin leur studio, Ryan and Roberts. Et là vous allez me dire, mais c'est qui celle-là? Donc Isabelle Roberts, donc c'est une autre femme architecte qui est née en 1871 dans l'état du Missouri. Elle a étudié l'architecture à New York et elle a travaillé avec deux architectes français qui sont Emmanuel Louis Mascaret, je ne sais pas, c'est écrit ici, et Walter B. Chambers. Et après ça, elle a travaillé avec le one and only Frank Lloyd Wright. Donc ce grand architecte américain, lui, a transmis son style des Prairie House et elle a travaillé avec lui notamment donc soit pour des petits trucs un peu secondaires, style comptabilité, directrice de bureau ou juste en tant qu'assistante. Mais beaucoup de sources reviennent pour dire qu'elle a joué un très grand rôle dans le dessin des fenêtres, enfin le dessin artistique des fenêtres. Le Oak Park Studio, donc le studio de Frank Lloyd Wright, a conçu la River Forest donc pour Isabelle et sa mère qui était veuve. Sauf que dès 1919, elles sont obligées de déménager à Orlando pour les soucis de santé de sa mère. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer du coup Aïda Anna Ryan et avec qui elle va commencer à travailler. Le retour de l'Institut des architectes américains et leur misogynie, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre apparemment à cette époque. Donc Isabelle, elle dépose sa candidature avec tout ce qu'elle a appris aux côtés de Frank Lloyd Wright et un peu aussi ce qu'elle a commencé à faire
avec Adam et Ryan, donc leur studio toutes les deux. Frank Lloyd Wright a même écrit une lettre d'approbation, de soutien, qui est « Mademoiselle Isabelle Roberts a été mon assistante pour la pratique de l'architecture pendant plusieurs années et je la recommande sans aucune réserve à quiconque nécessitant les services d'un architecte. » Et bah, devine quoi, elle a quand même été rejetée. Bref, tout ça pour dire que Isabelle et Aida, elles avaient toutes les deux fait leur petit bonhomme de chemin déjà toutes les deux avant de travailler ensemble. Et maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Comment elles ont travaillé ensemble et comment elles ont créé un nouveau style vernaculaire en Floride. Le travail du studio à Orlando, il était remarquable, et pas seulement pour les célèbres bâtiments publics, les grands monuments qu'elles ont faits, mais aussi pour les résidences privées qu'elles ont construites. Donc, du coup, toutes les deux, elles ont fait évoluer leur architecture et leur style pour créer un style qu'on appelle le néo-méditerranéen, qu'on appelle aussi aujourd'hui le style floridien parce qu'il se trouve en Floride. Du coup, on va voir quelques exemples de ce qu'elles ont fait ensemble. Donc ça, c'est un remodelage néo-espagnol. Et en fait, ça montre un peu la combinaison des idées qu'elles ont pu avoir en travaillant ensemble. Au rez-de-chaussée, donc il y a un porche qui peut être comparé à ce qu'avait déjà produit Aida, notamment pour un projet en 1907 qu'elle avait présenté au Boston Architectural Club. En plus de ça, au deuxième étage, il y a des colonnes qui ressemblent à ce qui a pu être produit par Frank Lloyd Wright. Donc là, on voit Frank Lloyd Wright à travers Isabelle Roberts qui, du coup, voilà, ça s'enchaîne. On voit comment elles arrivaient à mixer toutes les deux leurs connaissances et leur bagage architectural pour faire un seul et même bâtiment. Mais on sait qu'au moins elles travaillaient à deux sur un seul projet. Ensuite, on a une autre résidence qui est celle de Lester M. Austin, toujours en Floride d'ailleurs. Donc ça, c'est une grande maison de style néo-méditerranéen, toujours en stuc, toujours avec un toit avec des tuiles rouges. On voit encore que les fenêtres sont assez asymétriques, avec une géométrie plutôt variable en fonction des besoins. Ce qui vraiment est mis en avant, c'est la verdure. À quel point il y a un jardin devant, avec beaucoup de végétation. Il y a juste un petit chemin de pierre pour dire que, regardez, ici, il y a la porte d'entrée. Mais sinon, c'est très vert avec la maison au milieu. Et quand on regarde la forme de cette maison centrale, en fait, c'est un agencement de volume avec différentes hauteurs, différentes dimensions, différents apports de lumière aussi par les ouvertures, qui montrent que chaque pièce avait bien une utilité définie. Une autre résidence d'une personne que l'on connaît maintenant, qui est Matilda A. Fraser, donc, qui est une amie de Aida, et elles se sont rencontrées du coup au MIT. Cette maison est donc encore privée, donc il y a très peu de visuels, mais de ce qu'on voit déjà de certaines photos, c'est encore une fois la façade assez sobre, mais quand même avec beaucoup d'ouvertures assez asymétriques, et la grande abondance de verdure, d'arbres qui permettent aussi de créer de l'ombre et de l'intimité pour les gens qui y vivent. Donc de tout ça, on voit que c'est un style vernaculaire assez sobre et assez élégant en fait. Avec toujours différentes références, parce qu'un style architectural, c'est souvent dans la continuité de ce qu'on connaît déjà, et on vient piocher ici et là ce qui nous intéresse. Donc bah voilà, on y retrouve un peu de la Renaissance espagnole et italienne, et aussi un peu des beaux-arts. Mais il ne faut pas croire que Isabelle et Aida, elles ont fait que des résidences de ce style. Au contraire, elles ont essayé vraiment de se l'approprier pour pouvoir le dupliquer un maximum sur les librairies, sur les chapelles, sur les hôtels et tous les bâtiments en fait qu'on leur commandait. Et tout ça pour en arriver un peu au coup du spectacle. Du coup, Ryan et Roberts, elles ont conçu leur home studio pour elles-mêmes entre 1920 et 1924. C'est un concept qui a été introduit à Isabelle Roberts par Frank Lloyd Wright parce qu'il avait lui-même son home studio à Oak Park.
En fait, c'est juste une maison où il y a leur place de travail et leur place de vie. Pour cette maison, on retrouve, comme à chaque fois, les fameux murs en stuc, toujours les ouvertures qui ciblent les entrées lumières. Par contre, il faut savoir que cette maison a été construite à la base sans le garage et sans la maison qui était à côté aussi. Donc ça peut aussi un peu fausser la vision qu'on a actuellement de ce home studio. Bien sûr, quand on parle d'architecture vernaculaire, on se doute bien que les deux architectes ont bien pris le temps d'observer tout l'environnement et voir un peu d'où venait le soleil, d'où venait l'ombre, le vent, etc. C'est pour ça qu'on voit encore la fenêtre du studio avec un haut vent au-dessus pour avoir de la lumière, mais pas trop chaud parce qu'on reste quand même en Floride. La porte de droite fait l'entrée du studio. Et d'ailleurs, on peut voir que de part et d'autre de cette porte, il y a des carrés comme on retrouve dans l'architecture des Prairie House de Frank Lloyd Wright, donc qui ont sûrement été faits par Isabelle parce que c'est ce qu'elle sait faire. Et à gauche, donc plus en retrait, c'est la porte qui mène à leur maison. On voit aussi l'intérêt de la végétation avec toujours la cour avant et il y a même un petit jardin derrière. J'avais trouvé une vidéo YouTube d'un agent immobilier qui faisait visiter la maison. Donc même si l'agencement a évolué quand même depuis que Ryan and Roberts l'ont construite, on peut quand même toujours voir la même structure et la création des espaces tel qu'il a été pensé à l'époque. Donc c'est une résidence qui est encore privée et habitable, peut-être aussi même habitée depuis. Même si on n'entend pas énormément parler, le travail de Aeda et son travail vernaculaire en Floride est extrêmement important pour les architectes actuels parce que plus le temps passe, plus on revient aussi à ce questionnement de l'environnement et de ce qu'il y a autour. Le contexte, c'est quelque chose de très important quand on construit parce que il faut qu'on réponde en fait aux besoins des habitants. On ne construit pas pareil partout, heureusement, parce que certains ont besoin de plus de lumière, d'autres plus d'ombre. Il faut aussi s'orienter en fonction du soleil, de l'eau parfois. Enfin, il y a tellement de facteurs pour chaque parcelle qui existe que l'architecture vernaculaire, c'est le minimum presque pour répondre aux besoins. Il y a aussi une question d'identité derrière ça, parce qu'on appelle le style néo-méditerranéen le style floridien parce qu'on le trouve en Floride. Et si on commence à construire pareil partout, bah, il n'y a plus vraiment de style, plus vraiment d'identité pour chaque région du monde. Et c'est dommage. Je voudrais juste faire un petit disclaimer. Il ne faut pas confondre le fait que Aeda soit la première femme américaine à sortir du MIT avec un master. Avec le fait qu'il y ait d'autres femmes qui aient reçu un diplôme. Ce que je trouve assez surprenant pour le cas de Aeda, et qu'on ne verra pas forcément par la suite, c'est qu'elle était notamment entourée de femmes. Elle n'a pas vraiment eu de dépendance par rapport à un homme. Elle n'a pas travaillé avec un homme, elle n'a pas travaillé avec son mari, elle n'était pas sous son influence. Enfin, je n'ai même pas lu quoi que ce soit sur son mari, si elle en avait un. Donc on voit quand même cette forte indépendance qu'elle a eue d'ailleurs dès le départ. Un peu cette émancipation et cette recherche aussi de travailler avec des figures féminines. Aussi, elle a commencé très tôt à s'intéresser à l'architecture, mais l'architecture un peu pure et dure. Il y a pas mal de femmes architectes qui ont commencé par faire plutôt du design, des meubles, etc., ou de l'agencement, pour ensuite se diriger petit à petit vers de l'architecture. Aeda, c'est pas du tout ce qu'elle a fait, elle a vraiment dit « je veux construire des maisons et des bâtiments importants pour la ville ». Une autre chose qui ne fait pas partie du parcours de Aeda, c'est qu'elle n'a pas publié quoi que ce soit, elle n'a pas écrit, elle n'a pas essayé de retranscrire son style ou ce qu'elle a appris au cours des années, ni pour elle, ni pour les futures femmes architectes ou qui que ce soit. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir que
elle n'a laissé aucune trace autre que ses bâtiments dans l'histoire de l'architecture. Donc voilà comment Aida Narayan a un peu ouvert les portes pour les futures femmes architectes. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, bah, y a toujours l'espace commentaire qui est là pour ça. Je vous laisse mettre un pouce, n'importe quel sens, celui qui convient le mieux à ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner pour soutenir mon travail. Et on se retrouve bientôt pour la vie d'un autre architecte.